Sa présence numérique sert avant tout à faire la promotion de son activité professionnelle. Les comptes Instagram et Facebook de Vanessa Paradis sont davantage utilisés par ses équipes que par l'actrice de 50 ans. Je n'ai pas de réseaux sociaux, a-t-elle affirmé dans une interview à La Provence, ce mercredi 26 juillet, alors qu'elle est à l'affiche du film Junior, où les rapports virtuels sont au cœur de l'intrigue. La mère de deux enfants, Lily Rose et Jack, affirme faire attention à l'usage de son smartphone. La raison? Ça prend déjà un temps fou de répondre aux messages. Avant d'avancer un conseil, il faut se forcer à ne pas le regarder. Vanessa Paradis affirme également ne pas jouer aux jeux vidéo. Son avis là-dessus rejoint celui sur les réseaux sociaux, il y a des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients et je pense que cela peut être dangereux. Si IST virtuel mais la portée est internationale, tout est démultiplié et il peut se créer des dépendances jusqu'à ce que la vie défile, sans qu'on s'en rende compte. L'ex-compagne de Johnny Depp a ainsi argumenté sa pensée avec un exemple lié à l'usage du téléphone au quotidien. Si, lors d'un trajet en bus, tu as les yeux rivés sur ton téléphone, tu risques de ne pas remarquer un pote que tu n'as pas vu depuis 10 ans et emprunter le même trajet, a-t-elle indiqué dans les colonnes de La Provence. Lily Rose Depp, Vanessa Paradis, Nathalie Portman. Qui sont les femmes qui l'entourent? Vanessa Paradis pas toujours tendre avec les réseaux sociaux. Vanessa Paradis a vu d'un bon œil l'émergence du mouvement MeToo. Dans les colonnes de Marie-Claire en juillet 2020, l'actuelle compagne de Samuel Benchetrit avait estimé que cette libération de la parole chez les femmes était indispensable, admirant beaucoup toutes celles qui prennent publiquement la parole. À côté de cela, elle s'était montrée critique à l'égard des plateformes numériques, attention à l'effet des réseaux sociaux où l'on juge parfois trop vite et sans savoir des gens qui ne l'ont pas été par la justice. Cela peut être terrible. Preuve en est qu'entre Vanessa Paradis et les réseaux sociaux, la relation est bel et bien en dents de scie. Crédit photo, Jacovid Borde-Moreau. Times through the rough times I